Seigneur. Nous l'aimons. Nous voulons l'aimer. Nous voulons le servir. Nous voulons apprendre à lui parler, à lui dire ce que nous ressentons. Oh oui, qui est Dieu pour toi? Qui est Dieu pour ta famille, pour ta vie? Jésus. Oh. Reçu le nom au-dessus de tout nom. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Il est là. Toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Est-ce que tu l'aimes? Est-ce que tu l'aimes? Est-ce que tu l'aimes? Élevons son nom. Est-ce que tu l'aimes? Adorons Jésus. Est-ce que tu l'aimes? Élevons son nom. Il a reçu. Il a reçu le nom. Au-dessus de tout nom. Jésus, il a reçu le nom. Au-dessus de tout nom. Lorsqu'on parlera de l'agneau, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Sors. Sors. Au nom de Yeshua. Au nom de Yeshua. Au nom de Yeshua. Magnifique. Magnifique. Magnifique, Seigneur. Oh oui. Tu vois cette femme, tu ne pourras plus la contrôler la nuit. Non. C'est fini. Tu ne peux plus la manipuler la nuit comme tu l'as fait pendant des années. Tu ne peux pas, tu ne peux plus détruire sa famille, sa vie comme tu l'as fait pendant des années. C'est fini. Ton règne là est fini dans cette famille. C'est fini. Ah non, c'est fini. C'est fini. Le Seigneur est venu là, 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 là. Femme, le Seigneur met fin à cette souffrance. C'est fini. Je dis c'est fini. Tu vois, tu as été marié la nuit. C'est fini. Seigneur, merci. Merci parce que tu essuies les larmes. Oh, Dieu est bon. Dieu est bon. Dieu est bon. Le Seigneur a vu tes larmes. Le Seigneur a entendu ta prière. Le Seigneur t'a attiré ici. Il t'a attiré ici. Tu vois cette chaîne là? Tu vois cette chaîne? Dieu la brise ce soir. Là, là, là. Ce fardeau que tu traînes depuis des années, le Seigneur est en train de l'enlever. Tu vois cette chose qui est venue te polluer la vie? Cette chose qui est venue détruire ta famille? Oh! Ma sœur, c'est ton jour. C'est ton jour. Tu vois, au niveau de ton ventre, cette chose-là, fini. Le Seigneur est grand, le Seigneur est bon. Alléluia. Dieu est bon. Viens. Viens. Seigneur, merci.
magnifique. C'est son jour. Magnifique Seigneur. Oh, c'est son jour. Fini. C'est un héritage familial. Acclame le Seigneur pour sa grâce. Pendant 5 jours ou 6 jours, ça va être l'hôpital du Seigneur. Nous ne savons pas ce qu'il va faire, mais il veut qu'on l'adore. Il y a quelque chose là qui s'énerve contre moi. Là. Quelque chose qui contrôle les pensées de quelqu'un qui se trouve avec nous. Quelque chose qui détruit tes pensées. Quelque chose qui est comme un étau au niveau de ta tête, qui vient briser ta vie. Cette chose est très méchante. Cette chose, tu n'arrives pas à la contrôler. Tu ne comprends pas ce qui se passe. Pourquoi toi? Cette chose t'envoie des pensées de mort. Cette chose te pousse vers la mort. Cette chose te pousse à la destruction. Le Seigneur a vu ta souffrance. Le Seigneur est venu. Et aujourd'hui, là, c'est ton jour. Je parle à quelqu'un ici. C'est ton jour, mon ami. Là où tu es assis, là, le Seigneur a vu cette souffrance. Ah oui. Cette chose, Dieu la déloge. Dieu la fait sortir de ton corps. Je dis, cette chose s'en va. Cette chose remonte et sort. Remonte et sort au nom de Yeshua. Seigneur, merci pour la puissance de la résurrection. Merci pour ta gloire, Seigneur mon Dieu, que tu déverses en ce lieu. Parce que ton peuple a besoin de toi. Ton peuple a besoin de toi, Seigneur mon Dieu, au nom de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur. Tu sais, cette personne-là, elle veut servir le Seigneur. Elle aime le Seigneur. Elle aime le Seigneur. Elle aime le Seigneur. Sors! Acclame Dieu. Acclame Dieu. Sors d'elle! Amène-la moi. On va avec l'adoration, juste les chants. Des fleuves d'eau vive. Que de fleuves d'eau, na 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 na. Que ton Saint-Esprit vienne et prenne le contrôle de chaque situation qui trouble mes pensées. Oh. À genoux. À tes pieds, je n'ai que tes vives eaux, que tes vives eaux inondent mon âme. Regarde. Que ton Saint-Esprit. Quelqu'un ici, Alain, son oncle travaille avec Satan. Quelqu'un ici. Et son oncle a consacré toute la famille à Satan. Et cette personne est là. L'esprit de sorcellerie détruit toute cette famille. Là. Toute la famille est enterrée. Toute la famille enterrée. Et c'est une famille qui pleure, qui souffre. Le Seigneur a décidé que là, c'est fini. Oh, il y a un ange qui est en train d'effacer le contrat entre cet oncle et l'ennemi. Sors d'elle! Au nom de Yeshua. Fini, c'est ta restauration définitive. Au nom de... Amène-la-moi. Oh.
Si cet oncle ne se repent pas, Dieu va l'enlever. Oh, tu sais qu'il y a une reine des eaux qu'il y a ici. Une reine qui sort de l'eau, qui vient habiter ce corps. Oui. Cette jeune fille qui se trouve là, cette femme, ça c'est la deuxième reine, mais il y a une autre qui est là. Amène-la devant là-bas. Tu n'es pas parti encore, tu vas partir tout à l'heure là, va devant. Va devant avec son corps, va là-bas. Va avec son corps devant, au nom de Jésus. Je dis, faut la laisser, elle va partir elle-même. Par là-bas, au nom de Jésus. Je dis, amène son corps devant là-bas, au nom de Jésus. Voilà. Et tu te mets à genoux toi-même là-bas. Il y a une jeune fille. Oh. Il y a une reine. Je dis bien, il y a une reine. Il y a longtemps. Oh, je ne vais pas sortir aujourd'hui. Je ne vais pas sortir. Si même si vous faites comment, je ne vais pas sortir. Mais ça, c'est... Il y a longtemps que je suis avec elle. Bon. Je vais sortir d'elle. Oh, oh. Qui croit que Jésus est Seigneur? Bon. Nous voulons nous occuper. Tu vas devant là-bas. Va devant au nom de Jésus-Christ. Allez, tu vas devant. Je dis, tu vas devant au nom de Jésus. Là! C'est un ordre que je te donne. Je ne veux pas parler avec toi. Jesus Christ. Vous pensez que Dieu peut la délivrer là? Qui croit que Dieu peut la délivrer? Le pasteur là, sinon je vais vous taper. Vous voulez que je vous gifle ici? Tu peux pas me gifler. Bon, laissez-moi même sortir. Laissez-moi même sortir. Je dis, Jésus est Seigneur. À genoux. À genoux. Alléluia. Qui a vaincu les démons? Qui a vaincu Satan? Qui est le Seigneur ici? Qui veut libérer Brazzaville? Alléluia! Bon. Pendant que ce démon s'en va, nous voulons nous occuper de la sirène. Merci Seigneur. Fini. 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 Au nom de Yeshua. Je ne suis pas brave. Non, tu ne vas pas m'avoir. Ce n'est pas moi qui suis brave. C'est celui qui est à moi qui est brave. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Finis ton règne dans ce corps, tu laisses cette femme tranquillement, elle va avoir une vie normale. Au nom de Yeshua, tu ne vas plus coucher avec elle la nuit, tu ne vas plus rien faire. C'est un ordre que je te donne, fini. Et tu te tais, tu sors. Maintenant, la sirène des eaux, Mami Wata, tu es là. C'est une jeune fille, tu te mets en colère, tu te mets en colère. Tu ne contrôles pas ta colère. Acclame Dieu, acclame Dieu, acclame Dieu. Sors! Jesus Christ! Amène-la-moi là-bas. Ça, c'est une reine. Dis à ton voisin, c'est une reine. Oh! Oh, vous avez vu? Mami Wata. Jesus Christ, ça va? Viens ici, Mami Wata. Mets-toi à genoux là, à genoux.
au nom de Jésus-Christ. Jesus. Ma soeur, tu as beaucoup souffert. Tu dois pardonner à toutes les personnes qui t'ont blessé. Et toi, fini. Au nom de Jésus. Qui est Seigneur? Oh, merci Seigneur. Qui est Dieu? Oh. Qui est Dieu? Oh. Quel est le nom de Dieu? Jésus. Lève-toi. Va t'asseoir. C'est réglé. Waouh. Dis à ton voisin, c'est chaud. Dis-lui, ça commence bien. Mamie Wata, elle a mis la colère. Moi, je ne la connais pas, cette sœur. Elle a mis la colère dans son cœur. Elle veut détruire sa vie. Chut. Il y a un esprit ici. Un esprit de mort. Un esprit de mort. Il est venu avec sa cagoule, sa capuche. Il est tout habillé en noir. Et il s'apprête à frapper ta famille, à frapper ta vie. Je parle à quelqu'un qui est ici. Tu commences à sentir la mort. Tu commences à rêver de la mort. Tu commences à vivre, à parler avec des morts. La nuit, tu fais des songes, des rêves où tu vois la mort. Tu vois des gens qui sont morts parler avec toi et tu ne comprends pas. Je parle à quelqu'un ici. Dieu t'a attiré ici parce qu'il ne veut pas que tu meures. Cet esprit de mort est en train de me supplier pour que je le laisse parce qu'il dit que, il dit que ta famille, tu as été vendu par un membre de ta famille. Et voilà pourquoi lui, il est venu pour t'emporter. Le Seigneur t'aime, la mort, je ne veux plus t'entendre. Je dis, je ne veux pas t'entendre. Sors, acclame Jésus de Nazareth, acclame Jésus. Amène-le-moi là. Alléluia. Qui croit que Jésus est Seigneur ici? Dis à ton voisin, c'est la démonstration de la parole de Dieu. Vous avez vu cet homme? On a déjà mis son âme dans une cage. On a vendu son âme par la franc-maçonnerie, par la sorcellerie à cause de l'argent, par la franc-maçonnerie. Sors! Laissez-le là. Acclame le Seigneur. Wow! Tu es plus grand que ce que l'on dit, Jésus, tu es plus grand que ce que l'on dit. Oh, il y a un serpent là. Je dis, il y a un serpent ici. Il y a un serpent. Tu vois ma soeur, tu vois c'est ton jour. Ce serpent là qui détruit ta vie à l'intérieur, qui mange ta vie. Je dis, ce serpent là c'est un boa qui est là. Ma soeur, tu souffres. Tu souffres, c'est un serpent qui t'a été envoyé. Le Seigneur a vu, je veux que tu acclames Dieu. Oh! Dis à ton voisin, Brasa est en feu. Brasa est en feu. Regardez-moi ce serpent-là. Amène-la-moi ici. Regardez comment le serpent danse. Vous avez vu ça? Ah. Mais il se passe des choses à Brazzaville. Hein? Vous avez vu le serpent-là? Regardez. La puissance de Dieu. Les hommes qui couchent avec elle prennent des œufs. Le serpent la pond des œufs dans leur ventre. Ça provoque. Voilà pourquoi beaucoup d'hommes ici ont des problèmes de prostate. Ce sont ces œufs-là qui provoquent ça. Ces jeunes filles-là, la plupart ont des serpents comme ça. Ça va coucher. Ou les prostituées.
c'est des serpents. Vous couchez avec, ça dépose des œufs, ça provoque cancer de prostate. Et ce démon est un spécialiste de maladies qui touchent la prostate. Un serpent là, il fait plus de 20 mètres. Oh. Là, il est en train de demander de l'aide à un autre serpent qui est ici là. Il est en train de demander de l'aide à un autre serpent. C'est une femme qui aimerait bien se marier, mais n'arrive pas à se marier. Les hommes veulent simplement jouer avec toi. Et toi, tu ne veux pas, mais tu ne comprends pas pourquoi. Pourquoi? Le Seigneur veut changer ton histoire. C'est un serpent qu'on a mis en toi. C'est un serpent qui te contrôle comme ça. Là. C'est un serpent qui se balade dans tout ton corps, dans ton ventre. C'est un esprit qui est là. Un esprit terrible qui est là. Et toi qui es là. Toi qui es là. Je m'adresse à toi, esprit de serpent. Là. Tu ne peux pas détruire cette femme. Je veux que tu sortes d'elle. On acclame le Seigneur. On acclame le Seigneur. Là. Acclame Jésus de Nazareth. Oh Seigneur. Mais il se passe quoi, Brazzaville? Le feu. C'est que le début. Waouh. Vous pensez que Dieu peut la libérer là? Regardez-moi ce serpent. Jesus Christ. C'est bon, c'est réglé. Au nom de Yeshua. Jesus. Oh Jesus. Oh Jesus. Oh Jesus. Oh Jesus. Allez, sors. Allez, sors. Au nom de. Au nom de. Oh Jesus. 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 Il y a un esprit ici. Un esprit de guerre. C'est un démon de combat. Un démon guerrier. Un démon qui aime la bagarre. Cette personne qui est ici a du mal à contrôler sa colère. Tu l'as hérité de ta famille. Il y a la colère qui t'anime. La bagarre, la colère, la haine. Tu ne contrôles pas ta vie. Tu ne comprends pas ce qui t'arrive. C'est pas toi. C'est quelque chose qui se trouve en toi là. Et cet esprit qui est en toi là est en colère contre moi là. Très en colère, très irrité. Tu t'emportes facilement. Tu demandes de l'aide au Seigneur par rapport à ce caractère. Et c'est ce démon-là qui provoque cette chose. Cette chose qui te pollue. Cette chose qui détruit ta vie. Cette chose qui... Tu n'en peux plus. Et Dieu vient te voir là où tu es là. Dieu vient te voir parce qu'il t'aime, parce qu'il t'a appelé à son service, parce qu'il a mis sa main sur toi. Et voilà pourquoi ce soir là, c'est ton jour. Oh, lève-toi. C'est magnifique ce que Dieu fait là. Waouh. Vous êtes là? Vous aimez Dieu? Vous aimez sa parole? Waouh. Regarde-moi ce démon guerrier là. Regarde ce... mais si Dieu vous montre comment il est en train de me menacer là, comment il s'excite. Oh. À cause de ce démon là, la personne ne peut pas se marier, ne peut pas avoir une vie normale. Tu as toujours des problèmes avec tout le monde, tu ne comprends pas. Tu sais, c'est normal parce qu'il y a cette chose là. C'est normal. C'est normal. Waouh. Oh. Qui veut quitter la sorcellerie? Lève ta main. Celui qui veut quitter la sorcellerie. Viens, cours ici. Qui veut abandonner la sorcellerie? Venez, les sorciers, venez ici. Courez ici. N'ayez pas honte. Venez. Oh Dieu de gloire. Je dis bien, il y a quelqu'un qui pratique la sorcellerie, qui veut abandonner. Viens, c'est une maladie que Dieu veut guérir. Donne-moi ta main. Lève-toi.
elle est fatiguée. Voyez, elle est fatiguée, c'est normal. Il y a un sorcier qui veut abandonner la sorcellerie. Lève ta main, n'est pas bon. Dieu veut te rendre libre. Tu es venu ici pour ça. On t'a donné cette sorcellerie, tu n'en voulais pas. Et tu cherches la libération, la délivrance, la guérison, la restauration. Oh Seigneur, merci. Tu es baptisé? Tu es baptisé? Non? Tu veux suivre Jésus? Comment tu t'appelles? Arlesh. Qui l'a invité ici? Dieu est en train de la guérir. Le Seigneur est en train de purifier sa vie, son sang, de la nettoyer. Ta vie change à partir d'aujourd'hui, au nom de Yeshua. C'est bon? Ce monsieur est venu avec qui? Qui l'a invité, cet homme? Est-ce qu'il y a quelqu'un de sa famille ici? Vous allez bien? Je vous sens triste. Oh. Regarde cette femme là. Regarde cette femme qui souffre du ventre. Vous avez vu? C'est pas elle. Ce ventre là, c'est pas normal ce que tu vis là. Il y a quelque chose qui est là. Je te dis, il y a quelque chose. On est en train de mettre, quelqu'un est en train de mettre un cancer, le cancer de l'utérus. Là. Parfois ton ventre est dur. Des souffrances comme pas possible. C'est pas toi, c'est pas normal. Je sais que tu es là. Ah oui? Tu crois que le Seigneur peut la guérir, cette femme-là? Tu crois? Oh. Hein? Tu vas bien? Qu'est-ce que se passe là? Le feu. C'est le feu là. Je te dis, c'est le feu. C'est le baptême de feu. Dieu veut que je commence par ça. C'est lui qui gère, hein? Lève-toi. Jesus Christ. Oh. Oh. Amène-le-moi. Il y a une onction là, terrible. Mais qu'est-ce qui se passe à Brazza là? Oh, Jesus Christ. Oh. Vous savez que Dieu vient de changer son histoire là? Dieu vient de changer son histoire. Vous pensez que Dieu est capable de faire tout ça là? Qui croit que Dieu agit toujours? Le Seigneur me rappelle encore la sorcellerie de quelqu'un ici. Oh, ça va papa? Paralysie là? La jambe là aussi là? La jambe aussi. Et tu veux quoi? Tu veux marcher? Oui, je voulais marcher. Tu veux marcher? Oh, oh Lord. Tu crois que Jésus peut te guérir? Oui.
Tu crois ça? Oui. Vous pensez que Dieu peut le guérir là? Bouge la jambe là. Bouge là. Il y a une onction qui traverse cette jambe là. Ah oui. L'onction du Saint-Esprit là. Ah oui. Tout ce côté paralysé là. Tout ça. Voilà le côté gauche là. Hein? Ah oui. Voyez comment Dieu opère des choses là. Faut... Voilà. Continuons à bouger ta jambe là. L'onction travaille là. On prie comme ça et puis tac là, les gens se lèvent. Oh. Oh, il y a des choses ici qui se passent. Hein? Ça va toi? Ça va? Dieu est bon. Je me laisse guider, hein. Je ne sais pas, je ne prépare rien à l'avance. On arrive et puis c'est lui qui te dit, voilà. Ça va toi? Ça t'arrive de chanter? Ça t'arrive de chanter? Oui. Ah ouais? Oui. Où? À l'église. À l'église? Oui. Lève-toi. Tu vas beaucoup chanter pour le Seigneur. Il y a une onction terrible sur toi par rapport au chant. C'est ce que Dieu me disait. Et elle chante déjà. Lève ta main. Voici la main de Dieu sur toi, la puissance de Dieu. Oh, une onction sur elle. Voyez cette onction là. Elle va chanter, il va y avoir des guérisons, des délivrances à partir d'aujourd'hui. Jesus Christ. Hein? C'est un oncle maternel. Paternel. Oh, Dieu de gloire. Apprends à jouer un instrument à partir d'aujourd'hui. Jesus Christ. C'est bon. Jesus Christ. C'est magnifique quand Dieu prend le contrôle hein, sur les choses. Oh les gars. Ça va? Tout va bien? C'est ta présence. Qui vit à moi. Lève-toi. Ouais, cours là. Cours là. Maintenant, je suis en train de te mettre un manteau pour aller prophétiser. Voici la main de Dieu sur toi. À partir d'aujourd'hui, il va prophétiser tout le temps. Oh. Oh, les gars. Ça, c'est magnifique, ça. Ce chant-là, c'est magnifique. Dis à ton voisin, c'est magnifique. And I... Qui veut abandonner le péché sexuel? Lève ta main. Il y a des gens qui commettent le péché sexuel. Et c'est vrai, Dieu ne veut pas que je prêche encore. Péché sexuel, lève les mains. Le péché sexuel. Lève les mains. Péché sexuel. Venez. Venez. Venez, tous ceux qui pêchent sexuellement là, venez. Venez. Masturbation, venez. Film porno, venez. Avortement, venez.
Sors d'elle, au nom de Jésus. Sors, au nom de Jésus. Jeune fille, Dieu te libère au nom de Jésus de Nazareth. Ce serpent là te quitte. Bon, si je prie pour vous rentrer. Sors, au nom de Yeshua. Fini. Allez, sortez. Sors. Quitte mon frère, sors de là. Il y a une femme ici qui a déjà fait un avortement ici. C'est une femme. Dieu veut que tu lèves, tu viennes, viens me voir. Tu as pratiqué l'avortement, Dieu veut te rendre libre là. N'aie pas honte, j'aimerais te voir. C'est toi, on acclame le Seigneur. Tu vois, à partir de ce jour-là, ta vie est comme bloquée. Satan réclame ton âme à cause de ce sang versé. Voilà pourquoi tu pleures, voilà pourquoi tu souffres, voilà pourquoi tu tournes en rond, tout ça, tu souffres, il y a des... Oh, ça sort. Fini. Fini. C'est réglé, tu peux t'asseoir. Ici, il y a une femme qui a sorti plusieurs fois avec un homme marié. N'aie pas honte, viens me voir. Viens me voir, c'est une délivrance que Dieu veut t'accorder ici. Je veux te voir de la part du Seigneur, viens me voir, il n'y a pas de honte à voir. Dieu veut qu'on confesse le péché, je veux que tu viennes. Au nom de Dieu, tu sens que ton cœur bat vite. C'est parce que Dieu t'aime et Dieu veut te libérer. Acclame le Seigneur là-bas. Le Seigneur de gloire, c'est un démon qui l'a contrôlé, qui sort. Qui peut faire ces choses là? Portez cette... Je ne peux rien, je ne suis rien, je ne peux rien, je ne suis rien, je ne peux rien, je ne suis rien, je ne peux rien. Je ne suis rien, je ne peux rien. Je ne suis rien, je ne peux rien. Je guéris les malades. Je ne suis rien, je ne peux rien. Je ressuscite les morts. Je ne suis rien, je ne peux rien. Je lui apporte la vie. Je ne suis rien, je ne peux rien. Tu as banni les montagnes. Je ne suis rien, je ne peux rien. Tu as brisé les chaînes. Je ne suis rien, je ne peux rien. Sans toi, Yahweh, je ne peux rien. Sans toi, Jésus,
je ne peux rien. La vie n'a pas de valeur. Je ne suis rien, je ne peux rien. La vie n'a pas d'enjeu. Je ne suis rien, je ne peux rien. La vie n'a pas de valeur. Je ne suis rien, je ne peux rien. 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 La nuée est là. La nuée arrive. Enlève ton chewing-gum, s'il te plaît. On mange pas de chewing-gum dans la présence de Dieu. Il y a un démon qui mange le ventre d'une femme. Cette femme saigne souvent, saigne beaucoup. Sors, on acclame le Seigneur. Sors d'elle au nom de Yeshua. Amène-la-moi. Sans toi, je ne suis rien, je ne peux rien. Sans toi, je ne suis rien, je ne peux rien. Sans toi, je ne suis rien. Sors! Je ne suis rien. Acclamez Jésus de la mort! Sans toi, Jésus! Je ne suis rien, je ne peux rien. Sans toi, Jésus! Je ne suis rien, je ne peux rien. Sans toi, Jésus! Je ne suis rien, je ne peux rien. Sans toi, Jésus!
God. Holy God. Jesus Christ. Jesus. 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 Amen, 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 amen. Personne comme Jésus, il
n'avait ma personne comme Jésus. Il n'y avait ma personne comme Jésus. Il n'y avait ma personne comme lui. J'ai marché. Personne. J'ai marché, personne ne me fouillait, il n'y a vraiment personne comme lui. Le feu est allumé aujourd'hui, le feu est allumé aujourd'hui, le feu est allumé aujourd'hui. Chantons alléluia, le feu est allumé. Ton chéri, Yesu. Ton époux, Yesu. Ton pasteur, Yesu. Ton bishop, Yesu. Ton apôtre, Yesu. Ton chéri, Yesu. Ton doudou, Yesu. Ton bien-aimé, Yesu. Qui t'a dragué, Yesu. Qui t'a dragué, Yesu. Qui t'a sauvé, Yesu. Ton général, Yesu. Ton général, Yesu. Et de son nom. Mobali nana combo naye Yesu Yesu. Vous savez, les gens se disent, mais qu'est-ce qui se passe? Ben Dieu fait ce qu'il veut. Mobali nana combo naye Yesu 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 Yesu. Un bisou à Jésus. Oya chati olitoi kombo na ye Yesu 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 Yesu.
se laisser guider. Prenons un passage. Prenons un passage. Oh Dieu, fais-moi grâce. Oh Dieu, fais-moi grâce. Oh Dieu, fais-moi grâce, 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 oh Dieu, fais-moi grâce. C'est un chant nouveau que les anges chantent en ce moment. Amen. Grâce, oh Dieu. Non, vous êtes là, vous voulez qu'on arrête là, vous voyez dans sa présence tous ces chants là, on entend les anges chanter des chants nouveaux et on va les vendre. Attendez, mais vous avez vu ça où? Dis à ton voisin, ceux qui vendent leurs CD sont des voleurs. Dis à ton voisin, ceux qui prennent ta dîme sont des voleurs. Ceux qui prennent ton offrande d'action de grâce sont des voleurs. Non, ton voisin n'a pas entendu, il faut lui dire ça. Alléluia! Alléluia! Zambé Salangangolo Zambé Sale la gangolo, Zambé, sale la gangolo, Zambé, golo na yo, Zambé, sale la gangolo, Zambé, sale la. Accompli, le voile est déchiré, tout est accompli. Amen. Jean 19, 30. On connaît. Jean 19, 30.
Otika papa ala la pongé, azwa délivrance, tant qu'on l'amouka à tout béli. Quand tu vas se relever là, tu vas confesser. Ça va tout le monde? Oui. Jean 19, 30 dit quoi? Et quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit quoi? Tout est accompli. Tout est... On le connaît ce passage-là, n'est-ce pas? Regardez. Nous lisons dans la Bible que tout est accompli. Mais pourtant, dans vos églises, vos pasteurs vous disent, apportez vos offrandes, vos dîmes, vous serez bénis. Dans le tout est accompli, il y a ta guérison, ton salut, il y a tout. Donc, l'église de Jésus ne doit pas mettre l'accent sur l'argent. L'église de Jésus ne doit pas parler de 4x4. On vous parle de mama 100 jours. Oh, il faut faire 100 jours de jeûne. Frère, je vais vous poser une question. Qui connaît Daniel? Daniel a fait combien de fois 21 jours de jeûne? 3 fois? 2 fois? Il a fait combien de fois? Une fois. Toi, tu en as fait combien? Plusieurs. Moïse a fait combien de fois 40 jours? Une fois. Toi, tu as fait combien de fois? Dis à ton voisin, ce sont des jeûnes diaboliques. Non, il n'a pas entendu. Dis-lui, ce sont des jeunes démoniaques. Alléluia. Oh. Vous voulez que je vous parle? Vous voulez que je vous parle? Oh, papa 100 jours. Oh, maman 100 jours. Dis à ton voisin, sorcellerie. Avec notre Dieu, il n'y a pas de jour. Avec notre Dieu, c'est aujourd'hui. Alléluia. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, vous serez guéri au nom de... Laissez-la venir, laissez-la venir, laissez-la venir. Acclame Dieu. Le démon, il sort. Acclame Dieu. Acclame Dieu. Acclame Dieu. À genoux, démon. Je veux que tu acclames Dieu. Ne la touchez pas. Dis à ton voisin, la parole. La parole! La parole! Elle est libérée. Merci qui? Jésus-Christ de Nazareth! Laissez-moi enlever ces chaussures-là. Ça fatigue. Je préfère marcher pieds nus. Ce n'est pas de la sorcellerie. Dieu nous a créés sans chaussures. Oh, j'aime l'évangile pur. Dis à ton voisin, j'aime la parole. Dis à ton voisin, Jésus n'a pas besoin de costume et cravate. Dis-lui, c'est la religion. Dis-lui, c'est l'invention des hommes. Alléluia! Dis-lui, c'est la mystification. Jésus n'a pas besoin de Jim Winston. Sorcellerie! Brazza va entendre le message. L'Afrique va entendre la vérité. Jésus n'est pas mort à la croix pour que toi tu sois milliardaire. Sinon, il n'allait pas dire à cet homme riche, va. Vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et suis-moi. Alléluia! Sinon, il n'allait pas dire qu'il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer au ciel. On nous a menti. On nous a dit que chaque année, il faut amener une offrande prophétique auprès de l'homme de Dieu pour être béni. Tiens, ton voisin, sorcellerie! Dis à ton voisin, envoûtement!
Vous fêtez l'anniversaire de l'homme de Dieu. Quand est-ce que l'homme de Dieu va fêter ton anniversaire? Alléluia! Oh, c'est l'anniversaire de papa. Mais toi, quand est-ce que papa va fêter ton anniversaire? Dis à ton voisin, les apôtres sont des frères. Dis à ton voisin, tu n'es pas un porteur de Bible du pasteur. Dis à ton voisin, les pasteurs sont à notre service. Allez. Parler. On va. Un jour, Jésus a pris du poisson, il les a mis sur le feu. Et Pierre est venu manger, Jean est venu manger, c'est écrit. Après sa résurrection, ils ont pêché toute la nuit, ils n'ont rien trouvé. Jésus est allé le voir, il dit venez, ils ont trouvé du poisson. Un apôtre qui a fait du poisson pour les brebis. Quand est-ce que ton bishop va faire à manger pour toi? Alléluia! Alléluia! Dis à ton voisin, tout est accompli. Oh, je veux que l'homme de Dieu me bénisse. Avant que l'homme de Dieu ne soit créé, Dieu t'avait déjà béni, mon frère. Alléluia! Tout est accompli. Ça veut dire quoi? Jésus a déjà bâti son église. Si un homme de Dieu te dit, ça c'est l'église que j'ai bâtie, dis-lui, je sors de là, parce que moi je suis déjà membre de l'église que Jésus a bâtie. Au nom de... Depuis des années, tu donnes ta dîme. Tu as été béni comment? Tu es toujours pauvre. Tu donnes le pasteur, il marchait à pied. À force de donner, il a commencé à avoir un 4x4. Il a commencé à avoir une villa avec piscine. Il a commencé à voyager en Europe. Il a commencé à se mettre en costard et cravate. Jim Weston, toi tu es toujours en babouche. Tu ne vois pas que tu es arnaqué, tu es volé, tu es dépouillé. L'heure de la délivrance a sonné. Au nom de... Les églises sont devenues des entreprises de pasteurs. Papa et maman pasteurs. Vous, 20 ans après, vous restez toujours des bébés. Combien d'églises ici à Brazza ont construit un orphelinat? Combien? Zéro. Dis à ton voisin, zéro. Mais ce sont des bishops. Ils sont là, bishop, cravate, bishop, 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 à Pointe-Noire, bishop, à Brazzaville, bishop. Dis à ton voisin, Jésus va les délivrer au nom de Jésus. L'Afrique a besoin d'entendre ça. Tout est accompli. Tout est accompli. Vous savez comment? Son sang a coulé. On l'a pris. On lui a craché dessus. On lui a donné des coups de poing. Son visage, Ésaïe 52 nous dit, était défiguré. Tout ça à cause de moi, à cause de toi. Il a été blessé. Il a été humilié. Il a été rejeté. Il a été, n'est-ce pas, son visage était complètement abîmé. Qui? Yeshua. Pourquoi? Pour que nous soyons libres. 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 On vous prend, on vous met dans des jougs. On vous dit, si vous quittez l'église, vous êtes maudits. On vous dit le dimanche, si vous n'allez pas à l'église, vous ne serez pas bénis. Mon frère, la bénédiction n'est pas liée au dimanche. La bénédiction, ce n'est pas l'argent. La bénédiction, c'est la santé spirituelle. La bénédiction, c'est la vie éternelle. La bénédiction, c'est marcher dans la crainte de Dieu. C'est... Oh, Jesus Christ. Alléluia. Vous connaîtrez un prophète et vous serez délivré. C'est ce qui est écrit. Vous connaîtrez Chora et vous serez délivré. Vous connaîtrez le pape et vous serez délivré. Vous connaîtrez là. Vous connaîtrez là. Vous connaîtrez là. Et qui délivre? Jésus a dit quoi? C'est la vérité qui a franchi.
Le lundi, programme à l'église. Mardi, programme. Mercredi, programme. Jeudi, programme. Vendredi, programme. Samedi, programme. Dimanche, programme. Quand est-ce que vous allez vous occuper de vos enfants, de vos maris, de vos femmes, de vos papas, de vos mamans? Dites au voisin, sors sur le riche! Vous voulez que je parle encore? Vous voulez que je parle encore? Est-ce que le Congo Brazza a besoin de cette parole? On va parler. Frère, il y a un peuple ici à Brazzaville que Dieu veut réveiller. Il y a des gens qui sont fatigués. Fatigués. Jésus a dit tout est accompli. Ça veut dire quoi? Lorsque son sang a coulé, quand il dit tout est accompli, le voile qui t'empêchait d'aller vers Dieu était déchiré. Oh. Ça veut dire quoi? Plus personne ne peut t'empêcher d'aller vers Dieu si ce n'est le péché. Plus personne. Regarde-moi. Regarde mon frère. Je veux te dire quelque chose. Pourquoi? Tu n'as pas besoin de moi pour aller vers Dieu. Tu n'as pas besoin de chantre pour adorer Dieu. Si tu es chrétien, Dieu habite déjà en toi. Le jour de ta conversion, son esprit est venu et tu as été scellé du Saint-Esprit. Ça veut dire quoi? Tu ne peux plus chercher la face de Dieu parce que tu es en toi déjà. Tu n'as pas besoin de combattre toute la nuit. Combat, combat, combat. Combat, combat, combat spirituel. Combat spirituel. Sorcellerie. Tiens, tu vois, sorcellerie. Toute la nuit, oh il y a le feu, oh il y a le feu, oh il y a une montagne de feu. Oh, tu vas monter jusqu'à quelle montagne là? Tu as peur des démons. Tu te réveilles la nuit, tu adores Dieu. Les démons t'attaquent, vous avez vu comme là. Dieu a voulu commencer par là pour que vous compreniez. Je ne suis pas mieux que vous, je ne suis pas plus fort que vous, je ne suis pas plus puissant que vous. J'ai parfois plus de défauts que vous. Vous voyez? Tout est accompli. Un jour, Satan m'est apparu dans ma chambre, comme ça. Je me suis réveillé, je vois le Satan était là. Vous savez ce que je fais? Je lui ai dit, tu as été vaincu, je me suis endormi, rendormi. Regardez. Aucun sataniste ne peut toucher à un enfant de Dieu. Aucune malédiction ne peut atteindre une femme ou un homme qui craint Dieu. Il a effacé l'acte. On n'a pas dit qu'il va effacer. On a dit qu'il a effacé l'acte dont les ordonnances, nous, il a éliminé où? Et en le clouant à la. Oh ma soeur, tu vois ton problème là, c'est parce que tu ne payes pas ta dîme. Ah bon, c'est écrit où? C'est écrit où? Les gens font de tels séminaires, ils vont faire 3 jours à sec avant de venir prêcher. Ils jeûnent pour faire le séminaire. Quand il n'y a pas de séminaire, ils ne jeûnent pas. Ce sont des religieux. J'ai mangé à midi des bananes. L'onction ne s'en va pas avec la banane. Dieu veut libérer quelqu'un ici de l'ignorance. Regardez. Quand tu as dit tout est accompli, quand Yeshua a dit ça, c'est pas une parole en l'air. Hein? Vous vous rappelez quand il a créé Adam? Il a créé comment? Parfait, non? Hein? Ok. Il a pris Adam, il l'a mis dans quel jardin? Ah, on est d'accord. Il y avait toutes sortes de fruits, non? Est-ce que Adam, pour avoir ses fruits, il devait souffrir? Qui dit non? On est d'accord. Nous souffrons à cause de la vérité, oui. Mais pour avoir les fruits, pour manifester la gloire de Dieu,
tout est accompli. Tout. Un enfant de Dieu qui craint Dieu, quand il plie les genoux pour prier pour sa ville, dans tout son quartier, les sorciers ne peuvent pas le traverser. Ils passent et contournent. Je suis allé voir une sœur. Je lui ai dit, toi, elle était enceinte, elle devait accoucher. Je lui ai dit, tu n'accoucheras pas tant que je ne te l'aurai pas autorisé. Je suis parti. Elle perd les os, on la met à l'hôpital, on dit non, l'enfant n'est pas encore là. Elle perd encore les os, elle va à l'hôpital, on la renvoie, on dit l'enfant n'est pas encore là. Elle perd encore les os, elle va à l'hôpital, on la renvoie. Elle m'appelle, elle me dit, s'il te plaît, viens me libérer. Dis à ton voisin la parole de Dieu. Je lui ai dit, tu vas accoucher demain, à telle heure. Demain, à l'heure, tac, l'enfant est venu. Vous ne vous rendez pas compte. Les pasteurs, les prophètes et les apôtres en Afrique vous ont écrasés pour la plupart. Vous êtes devenus leurs esclaves, leurs serviteurs. Vous les adorez, vous les élevez, vous vous mettez à genoux devant eux pour qu'ils prient pour vous. Vous vous rendez compte? Mais vous ne savez même pas qui vous êtes. Vous êtes des prêtres? Vous êtes des rois? Vous êtes des princes? Vous êtes les membres du corps de Dieu. Qui peut manger la main de Dieu? Quand un poisson a avalé Jonas, il y a des gens qu'on ne peut pas avaler. On finit par les vomir. Je veux dire à quelqu'un, dans le tout est accompli. Vous savez, ça fait près de 23 ans que je ne suis pas allé voir un médecin. Près de 24 ans. Aucun. Dieu me donne la santé. Dieu me donne la santé. Oh non, oh mais vous savez, si je n'ai pas la dîme, comment je vais faire pour manger? Regardez-moi ce monsieur qui se dit prophète et n'a pas la foi. Jésus a dit quoi? Ne vous inquiétez pas pour votre lendemain. Les oiseaux, ils font quoi pour manger? Ils ne sèment, ils ne moissonnent, mais Dieu l'est. Et toi que Dieu a appelé, tu as peur? Oh, on peut acclamer le Seigneur, mes amis, oui. Je veux dire à quelqu'un, l'Église de Dieu est la seule institution que Dieu a laissée sur terre pour faire souffrir Satan. Il a dit à Satan, tu veux t'amuser avec moi? Tu vas voir, moi-même je suis Dieu, Dieu ne peut pas se mettre au niveau de Satan. Quand Satan parle à Dieu, il est à genoux, le visage contre terre. Ah, notre Dieu? Non, il est grandement grand. Il est profondément profond. Il est hautement haut. Il est magnifiquement magnifique. Il est largement large. Il est longuement long. Il est agréablement agréable. Il est excellemment excellent. Il prend la poussière que Satan foulait. Il prend la même poussière là. Il façonne. Il souffle son onction, son esprit. Il dit va, tu vas régner. Quelqu'un dit, qui est l'homme pour que toi tu te souviennes de lui? Dieu a quitté le ciel deux fois. La première fois, c'était pour créer Adam. Tout est. Dis à ton voisin, Dieu a quitté son trône deux fois. La première fois, quand il a créé le ciel. Il dit au commencement, Dieu dit que Dieu crée les cieux et la terre. Dieu parle, les animaux sont créés sur son trône. Il parle, les arbres sont créés. Il parle, les eaux sont créées. Mais quant à toi et à moi, Dieu dit non, je dois quitter mon trône. Ah! Alléluia! Dieu s'est déplacé. Il est descendu.
Il a pris l'argile, il a pris le sable comme un potier. Il a façonné un apôtre, il a façonné un prophète, il a façonné un évangéliste, il a façonné l'église. Oh Jesus Christ. Oh Jesus Christ. Oh Jesus Christ. Oh Jesus. Les anges regardaient Dieu en train de façonner l'homme. Ils disaient, mais qu'est-ce qu'il fait notre maître? Qu'est-ce qu'il fait notre maître? Il a donné la forme à un homme. Il a soufflé. Le serpent était là, hein? Satan était là. Il a dit à Adam, maintenant tu peux. Il s'est fait avoir. Oh, Dieu dit bon, le premier accompli, l'homme là un peu souillé. La deuxième fois, Dieu dit, oh, cette fois-ci, le mystère de la piété est grand. C'est un mystère. Un mystère. Nous prêchons des mystères. Nous prêchons des mystères. Les mystères du royaume des cieux. Les clés du royaume des cieux. Ah, Jesus Christ. Dieu a été manifesté en chair. Dieu. On n'a pas dit le Fils a été manifesté en chair. On nous dit Dieu. Il y a un seul Dieu. Il est Père, Fils et Saint-Esprit. Dieu manifesté en chair. Il a quitté son trône. Emmanuel. Dieu parmi les hommes. Jesus. Jesus. Voilà pourquoi on l'a adoré. Un bébé a été adoré par des sorciers. Un bébé. Il y a bébé et bébé. Il y a bébé et bébé. C'est le seul bébé du monde qui a attiré les hommes qui sont venus de loin. Des magiciens, des astrologues. Ils ont dit non, allons là-bas. Allons là-bas. Il était sur terre bébé, au ciel étoile. Comment quelqu'un peut être bébé sur terre et étoile au ciel? L'étoile brillante du matin, le soleil levant, tout est. Tout est. Jesus. Je veux dire à quelqu'un, Jésus, le GPS, qui connaît le GPS? Pour montrer le chemin de véhicule. Le GPS de la Bible, c'est l'étoile qui a indiqué le chemin des mages. Oh, alléluia. Jesus Christ. Tout est accompli. Tout est accompli. Quand tu te balades, toi qui crains Dieu, ce sont des anges guerriers qui sont avec toi. Quand tu te promènes, les yeux du Père sont sur toi comme un phare pour éclairer ton chemin. Quand tu ronfles, les sorciers osent ça. Ah, ils ne peuvent pas. Ils essaient de toucher, ils ne peuvent pas. Tout est accompli. Donc désormais, si un pasteur te dit, viens, je veux te bénir, dis pasteur, moi aussi je veux te bénir. Parce que comme je suis béni aussi, je veux aussi te bénir. Bénis-moi et je veux aussi te bénir. Mais ne me demande pas une enveloppe, parce que celui qui m'a béni n'a pas pris mon argent. Je lui ai donné mon cœur. Alléluia! C'est fini. Les sorciers peuvent faire la guerre contre toi, papa. Ils ne vont pas réussir. Tous les francs-maçons peuvent se réunir. Je prophétise cela parce que c'est dans la Bible. Ils vont tous tomber. Ils vont dire, mais ta puissance là, elle est au-dessus. Qu'est-ce que c'est comme sorcellerie? Tu vas dire, non, j'ai reçu un nom. J'ai reçu un nom. J'ai reçu un nom. Ce nom-là, si on vous prêche les sept clés de la victoire, dites non, non, il n'y en a pas sept. Si on vous prêche les 101 clés pour guérir par rapport au mariage, dites non, 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 il y a une seule clé, un seul nom, un seul Seigneur. À minuit, Jésus, à 3h du matin, Jésus sous la douche, Jésus dans la rue. En sang nouveau, je vois des prophètes ici, des prophétesses, je vois des nouveaux prédicateurs, des femmes intercesseuses, des sentinelles ici. Oh, il y a une onction qui va vous accompagner. Une puissante onction de Dieu
Il y a une gloire qui va se manifester dans vos vies. Là, 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 aidez-les. Il y a une puissance qui vient là, 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 là. Voici la gloire de Dieu. Laissez-les courir ici. Tous ces prophètes, toutes ces prophétesses, aidez-les. Il y en a qui vont courir ici devant. Voici la gloire de Dieu. Voici la gloire de Dieu. Ce sont des manteaux nouveaux, des épées pour la guerre que Dieu vous donne. Voici le feu, 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 voici le feu. Jesus. Aidez-les, 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 aidez-les. Voici le feu de Dieu, voici la gloire de Dieu, voici le feu de Dieu. Jesus, voici. Il y a une gloire, il y a une gloire, une gloire. Oh, vous allez proclamer l'évangile partout avec un feu terrible. Jesus Christ. Un feu, un feu, un feu. Voici le feu de Dieu. Aidez-les. Ce sont des trompettes. Ce sont des trompettes. Ce sont des messagers que Dieu suscite à Brazzaville. Aidez-les, 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 aidez-les. Aidez-les. Dieu vous envoie. Dieu vous envoie prophétiser. Parlez, pasteur. Parlez, prophète. Dieu vous envoie. Dieu te restaure. Coup de flèche. Oh. 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 Voici la gloire de Dieu. Voici la gloire de Dieu. Voici la gloire de Dieu. Aidez-les. C'est des missions. Dieu vous envoie comme des missionnaires. 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 Allez et libérez les chrétiens. Libérez les âmes. Il y a des Miché ici. Il y a des Jérémie ici. Il y a des Jérémie, des Miché. Tu comprends pourquoi tu pleures. Tu comprends pourquoi tu souffres. C'est parce que Dieu te façonne. C'est parce que Dieu te prépare. Ma fille, te dit le Seigneur, ma fille, je t'aime, je t'ai appelé depuis le sein de ta mère, je t'ai mis à part. Jesus. Jesus. Oh Jesus. Jesus. You are holy. Au nom de Yeshua. 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 Amenez-moi toutes ces personnes-là. Amenez-les ici. Amenez-les ici. Amenez-les ici. Amenez-les ici. Il y en a qui ont reçu des visions, des songes. Qui ont reçu des songes sur les pasteurs, allez les voir pour leur parler. Allez les avertir. Allez les avertir. Vous êtes mes envoyés, dit l'Esprit de Dieu. Allez les avertir. Jesus. Jesus. Le Seigneur dit. L'Afrique centrale sera embrasée par le feu. Je vois des autorités qui sont à genoux en train d'adorer. Je vois des généraux, des colonels à genoux en train d'adorer. Je vous dis, après ce programme, l'image de Brazza va être transformée au nom de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur. Je vois des gens qui amènent leur gris-gris pour les abandonner au nom de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur. Dieu arrive dans ta famille pour apporter la restauration. Dieu arrive dans ta famille. 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 Jesus. Touchez là où vous avez mal. Et des guérisons que tu opères là. 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 Là, 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 là. Guérison. Guérison. Jesus. Oh, amène-la-moi. 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 Amène-la-moi.
mal au dos. Tu as guéri quelqu'un, mal au dos. Il y a une guérison au niveau de ton dos. Au nom de Yeshua, touche le dos. Il n'y a plus de douleur. Tous ceux qui avaient des problèmes au niveau du dos, touchez les dos. Touchez vos dos. Au nom de Jésus, les douleurs s'en vont maintenant, 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 au nom de Jésus, au nom de Jésus, maintenant, maintenant, maintenant. Sciatique que Dieu a guéri ici. Quelqu'un ici, Dieu l'a guéri du sida. Va faire des examens demain. Demain, examen. Le VIH a disparu. Au nom de Jésus. Ceux qui ont reçu une guérison, levez les mains. Ceux qui ont reçu une guérison. Ceux qui ont... Tu as été guéri? Vous avez été guéri là? Venez. On acclame le Seigneur. Guéri de quoi? Mal de dos. Mal aux côtes? Oui, mal de dos. Depuis combien de temps? Tout à l'heure, en ce moment, j'ai senti que... Et là, il n'y a plus rien? Il n'y a plus rien. Jesus Christ. Oh oui, non, sur lui. Jesus. Là, tu as guéri de quoi? J'avais l'habitude de sentir les maux de ventre. Maux de ventre. Et là, tu n'as plus de douleur? On acclame le Seigneur, c'est magnifique. Guéri de quoi? Mal à la tête. Ça me tirait là. Là, tu n'as plus mal. Gloire à Dieu, alléluia. Oh oui, non, sur lui là. Jesus. Aidez-le. Waouh, c'est fort ici là. Waouh, 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 waouh. Waouh. Mal aux genoux. Touchez vos genoux. C'est des guérisons là. C'est toi? Oh, il y a une onction sur elle là. Oh, Jesus. Et de là, voici ton genou là. Dieu le guérit au nom de Yeshua. Alléluia. Oh, rêve. Waouh. Waouh. Oh, celui qui a reçu une guérison, qui lève sa main. Là, venez. Venez, vous qui avez été guéri. Venez. Oh, aidez-moi cet homme. Aidez-le. Voici la main de Dieu. C'est le feu. Tu as été guéri de quoi? J'avais mal au dos. Mal au dos? Oui. Depuis quand? Mais depuis toujours. Depuis toujours. Ouais. Là, t'as plus mal? Non. T'es sûr? Oui, c'est sûr. Gloire à Dieu. Alléluia. Magnifique Seigneur. Oh. Waouh. Lundi, on va changer la sono parce que là, c'est pas possible. Merci. Oh, c'est fini. 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 Quelqu'un a été guéri de diabète ici. Diabète. Ton diabète disparaît. Au nom de Yeshua. Ton diabète disparaît. Qui? Diabète. C'est toi? C'est qui diabète là? C'est toi? Viens. Tu crois que Dieu peut te guérir, maman? Amen. Tu crois ça? Amen. C'est bon, c'est fini. Ceux et celles qui veulent le baptême, suivez-moi. Ceux qui veulent se faire baptiser, venez. Venez. On acclame le Seigneur pour eux. Venez. Les baptêmes, venez ici. Venez, 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 venez pour le baptême, venez pour le baptême, venez pour le baptême, venez. C'est votre jour, c'est votre temps. Venez, c'est le temps de la guérison, de la restauration. Venez, courez, 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 courez. Oh, c'est magnifique. C'est magnifique, le Seigneur touche. Touche vos cœurs, touche vos vies. Change vos vies. Au nom de Yeshua. Magnifique, 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 magnifique.
Oh, c'est beau. Waouh, regarde-moi ça. Waouh. Lève vos mains. On va les bénir au nom de Yeshua. Waouh. Aidez-les. Voici la main de Dieu. Aidez-la, une onction sur elle. Aidez-le. 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 C'est le prochain de Dieu. Voici la main de Dieu. Oh. 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 Aidez-le. Voici la main de Dieu. Regardez, regardez, regardez. On a laissé des gris-gris à quelqu'un dans ta famille. On t'a laissé des gris-gris. Tu n'en veux plus. Tu n'en veux plus. Lève ta main. Le Seigneur veut te nettoyer. Il a vu. Tu ne veux pas de cet héritage-là. Dieu veut te sauver. Il veut te sauver. Viens, ma soeur, toi. Ouais. On les baptise aujourd'hui? C'est possible ou pas? Hein? 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 Ok, ok, ouais. Tu as assez pleuré. Voici ta délivrance. Tu as assez pleuré. Cette chose s'en va. Au nom de Jésus, sors. 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 Acclamez le Seigneur. Sors. Sors d'elle. Sors de là. Sors, démon. Sors. Tu vas la lâcher, je dis. Tu vas la lâcher au nom de Jésus. Tu vas la lâcher au nom de Jésus. Merci au Seigneur. Merci aux frères et sœurs qui nous ont invités. Vous voulez qu'on arrête le programme ici, qu'on ne continue plus demain? Qui veut qu'on continue encore demain? Après demain. Oh. Ah, item. Item. On a ramené quelques bibles, mais il n'y en aura pas assez. Vous savez qu'on a fait la révision de la Bible pour la première fois dans l'histoire. Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, Dieu a utilisé les Noirs francophones pour faire la révision de la Bible. C'est une Bible en cuir, avec du vrai cuir, doré, pas jaune, avec des onglets, avec dictionnaire. Elle est interdite à la vente. On va vous poser quelques questions pendant la semaine. Ceux qui vont répondre, ils vont pouvoir avoir un exemplaire. Parce qu'il n'y en a pas assez. Qui peut me donner pour gagner celle-là? En levant la main, bien sûr. Les trois noms des amis de Daniel. Yahweh. Qui connaît Mathilde? Qui connaît Mathilde?
Mathilde. C'est qui? C'est qui? C'est qui? Hein? Il est? Il est à Pointe-Noire? Il est chrétien? Viens. Il craint Dieu? Tu es marié? Tu veux quoi? Tu veux le mariage? Dieu l'a exaucé. Quelqu'un a répondu là-bas. Ok. Bon. Quel est le nom? Parce que tout le monde a répondu. Ne répondez pas en même temps. Cette fois-ci, ça va être bon. Le nom de l'homme qui a pris le corps de Jésus pour le mettre dans la tombe. Bon. On lui donne? Hein? C'est moi qui ai répondu. Mais je ne t'ai pas désigné. Bon, comme nous aimons le Seigneur et que nous honorons Dieu et nos sœurs, on te donne ça. Prends une couverture pour la protéger. Parce qu'elle a coûté beaucoup d'argent. Achète une couverture pour la protéger. Lundi, mardi, mercredi et jeudi, on va amener 2 ou 3 cartons comme ça. On va vous poser des questions. Priez pour répondre correctement. Et si c'est bon, hop, c'est bon. Et on a commandé 10 000 exemplaires. On va voir avec nos frères de Brazza, nos frères et sœurs, pour vous envoyer plusieurs exemplaires. Et si Dieu me l'autorise, en décembre, on va revenir avec plusieurs exemplaires de la nouvelle version qui va sortir pour les Brazzavillois et les Brazzavilloises, parce que vous méritez d'être encouragé par le Seigneur. Nous aimons le Congo Brazza. Nous prions pour les autorités. Nous bénissons les autorités. Nous bénissons le président. Nous bénissons tous les vrais pasteurs. Prions pour ce programme et encore merci pour votre soutien. Que mon Dieu se souvienne de chacun de vous. On peut nous élever. Nous allons nous lever et acclamer le Seigneur. Merci Seigneur. Gloire à Dieu.